Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être des nôtres pour la première édition de notre événement Mieux vivre avec un cancer du sang. Donc, recevoir un diagnostic du cancer peut mettre sur pause vos objectifs et vous causer beaucoup d'inquiétudes. Donc, que vous soyez en traitement, dans la vie après le cancer, vous ayez un cancer chronique, vous avez peut-être besoin de soutien supplémentaire au fur et à mesure que vous avancez dans votre expérience avec un cancer. Donc, durant toute la semaine, nous avons présenté et nous continuons de présenter des présentations interactives et des outils, des conseils et des recommandations approuvés par des experts pour améliorer votre qualité de vie afin que vous puissiez bien vivre avec un cancer du sang. Mon nom est Pascale Rousseau, je suis la chef des services à la communauté pour la Division du Québec de la Société de leucémie et lymphome du Canada. La présentation d'aujourd'hui va être d'une durée de 60 minutes et va comprendre une période de questions et réponses à la fin. Alors, vous le voyez, vous êtes en mode silencieux. Donc, on vous invite tout au long de la présentation à poser vos questions, à taper vos questions dans la zone de questions et réponses, QR, et nous allons les poser à la fin de la présentation à Marie-Hélène Savard. Donc, voilà. Je vous avise également que la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Elle sera versée sur notre site Internet pour une écoute ultérieure. Avant de commencer la présentation principale, j'aimerais partager avec vous notre mission et souligner quelques ressources qui pourraient vous être utiles. Prochaine diapo. La mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada est de trouver un traitement. Oh, juste change, c'est pas grave. Merci. Contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des gens touchés et de leur famille. Nous sommes là pour aider la communauté des cancers du sang. Nous sommes là pour vous aider. On offre du soutien aux personnes touchées tout au long du parcours. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, moi-même, ma collègue Joliane Pelletier. Vous pouvez visiter notre site Internet, cancerdusang.ca, ou nous appeler 1-833-222-4884. Prochaine diapo. Notre site Internet cancerdusang.ca regorge d'informations et de ressources. Par exemple, je voudrais vous parler d'un programme très, très important pour nous, le programme de soutien par les pairs. Donc, c'est des bénévoles formés qui offrent de l'information et un soutien empreint d'empathie en témoignant de leur expérience avec un cancer du sang. Donc, dans la mesure du possible, les participants et les bénévoles sont jumelés en fonction de l'âge, du sexe et du diagnostic. Prochaine diapo. Sur notre nouveau site Internet qui va être lancé en novembre, donc très prochainement, vous trouverez une variété de ressources éducatives et de services de soutien. Alors, par exemple, vous pouvez accéder gratuitement à des brochures, des fiches d'information contenant des renseignements sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, sur les aspects psychosociaux, sur des informations pratiques également. Vous pouvez également trouver de courts vidéos, éducatifs animés, les enregistrements de nos webdiffusions, des balados, ainsi qu'accéder à des témoignages également de gens qui sont passés par là. Alors, prochaine et dernière pour l'intro. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencière aujourd'hui pour la conférence qui s'intitule Reconnaître la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique. Alors, notre conférencière, c'est Marie-Hélène Savard, qui est psychologue clinicienne et qui se spécialise dans l'évaluation et le traitement des problématiques liées à l'humeur, l'anxiété et le sommeil, et les difficultés en lien avec une condition médicale telle que le cancer. Alors, merci Marie-Hélène d'avoir accepté notre invitation et la parole Merci beaucoup, Pascal. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, ben, ça va être ça, hein, de vous renseigner là, sur les principaux types de difficultés psychologiques de manière générale, puis aussi donc de démystifier différentes sortes de réactions émotionnelles qu'on peut vivre quand on fait face à un diagnostic de cancer, donc qui est un stresseur. En tant que test. Donc, je vais tenter de clarifier ce que ça va être une réaction, par exemple, normale. Moi, je vais aller passer aux objectifs. Je vais tenter de clarifier ce que c'est une réaction normale face à un stresseur versus une réaction qu'on dit plus pathologique. Incidemment, donc, quand on parle de réaction pathologique, là, on va aborder les différents troubles et diagnostics psychologiques qui vont être rencontrés en contexte de cancer. Donc, les indices, en fait, à ne pas négliger. Pour savoir quand c'est le temps d'aller consulter un professionnel, donc d'aller chercher de l'aide psychologique.
Je vais aussi vous proposer quelques pistes de réflexion, des stratégies de gestion pour cultiver une bonne santé psychologique. Donc, on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Les principaux types de difficultés psychologiques selon le DSM-5, donc le DSM qui est le fameux manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la 5e édition. Dans ce manuel-là, on reconnaît que les trois principaux pôles de difficultés psychologiques se situent surtout au plan de l'anxiété, l'humeur et des réactions face à des facteurs de stress. Et donc, la présentation va être divisée dans ces trois aspects-là. Donc, tout d'abord, on va parler d'anxiété. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà vu le film Inside Out, ou sans dessous, vous savez à quoi ce personnage-là fait référence. Donc, c'est peur. Peur est aux commandes parfois du cerveau de la personnage dans le film. En passant, c'est un excellent film. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le suggère fortement. Ça montre bien que l'anxiété, en fait, là, c'est une réaction qui est normale, hein, évidemment. Là, c'est une émotion qui fait partie du spectre des normales des émotions humaines. C'est présent chez tout le monde, puis c'est déclenché en réaction à différents contextes. Puis, un des contextes générateurs d'anxiété, le cancer, évidemment, en est un parce qu'il y a une multitude d'occasions durant le parcours oncologique où on peut ressentir de l'anxiété parce qu'il y a différents stresseurs, que ce soit lors du diagnostic initial, pendant les traitements ou même toute la période qui suit les traitements aussi, durant laquelle on va être souvent laissé plus à nous-mêmes. Puis de tous les impacts là, que le cancer peut exercer de près ou de loin là, dans nos vies. Donc, on va essayer de concevoir tout au long de la présentation. En fait, j'aimerais ça que vous puissiez suivre avec moi comme une espèce d'idée de continuum des émotions. Donc, les émotions, on peut les voir sur un continuum allant de peu d'émotions, peu d'intensité d'émotions, jusqu'à une très grande intensité émotionnelle où, en fait, quand on va parler d'un trouble psychologique, on va parler, en fait, d'un moment dans ce continuum-là où on va franchir un certain seuil à partir duquel on va dire que notre fonctionnement psychologique va être significativement affecté. Donc, notre fonctionnement psychologique, mais aussi notre fonctionnement au quotidien, notre fonctionnement au travail ou notre fonctionnement interpersonnel et tout ça. Donc, à partir d'un certain seuil, si on se rend compte qu'on a des difficultés à fonctionner à cause de nos émotions, c'est là qu'on va commencer à parler d'un trouble anxieux. Puis, on nomme aussi comme indicateur, comme baromètre, le fait d'éprouver une détresse significative, donc une détresse psychologique significative. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en ressentir de l'anxiété, c'est tout à fait normal, dépendamment des contextes, mais quand ça franchit vraiment ce seuil-là, parce que c'est là où on va parler plus de troubles anxieux. Maintenant, on va regarder comment une personne qui vit de l'anxiété pourrait avoir tendance à agir ou à penser. Donc, l'anxiété, ça se manifeste par différents aspects. Donc, tout d'abord, hein, quelque chose qui me vient facilement en tête, des inquiétudes. Quelqu'un qui va vivre de l'anxiété va avoir tendance souvent à avoir des inquiétudes. Les inquiétudes, c'est des pensées qui sont orientées vers le futur, puis souvent à connotation négative. Hein. C'est rarement des aspects très positifs qui nous viennent en tête quand on parle d'inquiétude. On parle plus de scénarios catastrophes ou d'éventualités négatives. Les inquiétudes vont varier, le thème des inquiétudes va varier. Dépendamment du type d'anxiété qu'on va ressentir, puis on va en parler un petit peu plus loin. On a tendance aussi parfois à avoir ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Donc, être à l'affût un peu que quelque chose de négatif survienne, un petit peu comme si on était un peu tout le temps sur nos gardes. Donc, on n'arrive pas à se déposer, on n'arrive pas à être dans le moment présent, on est comme tout le temps un peu sur nos gardes, on anticipe que quelque chose de négatif survienne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Ensuite de ça, on va souvent remarquer un certain évitement cognitif. C'est quoi de l'évitement cognitif? C'est le fameux passe-passe. Donc, essayer de ne pas penser à quelque chose qui nous stresse. Donc, l'évitement cognitif, ça peut prendre de la forme d'essayer de changer les idées, essayer de dire, ben, faut pas que je pense à ça en particulier. Donc, essayer de ne pas lire ou de pas être en contact avec des choses qui nous rappellent la chose qui nous inquiète. Donc, c'est ça l'évitement cognitif. L'évitement comportemental aussi. Là, on est plus dans les actions. Donc, je vais éviter
de faire certaines choses. Je vais éviter d'aller dans certains endroits où c'est ça, de vraiment certains comportements que je vais changer. Donc, je vais éviter certaines choses pour ne pas déclencher ce qui m'inquiète, pour ne pas déclencher mon anxiété par rapport à ce qui m'inquiète. Et le dernier, mais non le moindre, c'est des comportements qu'on appelle de réassurance. Donc, la réassurance, c'est quoi en fait? C'est quelque chose qu'on fait là, un peu tout le monde dans la vie quotidienne. On va en parler avec quelqu'un, on va essayer de dire ben, « qu'est-ce que tu en penses toi? Tu penses que ça a du bon sens et tout ça? » La réassurance, des fois, ça va un petit peu plus loin. Ça va être « t'es-tu sûr que c'est correct? T'es-tu sûr que ça va être correct? » Puis d'aller chercher ça, mais de manière répétée, d'avoir tout le temps un peu besoin de le faire à répétition, puis ça nous soulage un certain temps au début, mais c'est comme tout le temps un peu à recommencer. Puis là, on va parler plus de réassurance dans le contexte d'anxiété. Donc là, souvent, en fait, c'est ça, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner à court terme quand on parle d'essayer d'éviter de penser à ce qui nous inquiète et tout ça, puis d'éviter certains endroits ou se faire assurer. Ça peut fonctionner à court terme, mais le problème, c'est que souvent, ça ne fonctionne pas à long terme parce que c'est constamment recommencé. Là, maintenant, on a regardé comment pense une personne qui est anxieuse, comment agit une personne qui est anxieuse, comment elle se sent maintenant, la personne qui va être anxieuse. Donc, soit ça va être associé à une panoplie de symptômes, mais il y a quand même une certaine constellation qui revient assez fréquemment, donc la fameuse insomnie. L'insomnie, souvent, ça va être un symptôme de quelque chose d'autre, dont l'anxiété. Donc, si c'est certain que si la tête ne m'arrête pas, si je m'inquiète beaucoup à propos de certains sujets, je vais avoir de la difficulté à tomber dans une espèce d'état propice à la détente, donc propice au sommeil. Donc, souvent, ça va être caractérisé par la présence d'insomnie, surtout l'insomnie à essayer de tomber endormie, mais aussi l'insomnie la nuit, en vomit la nuit. Donc, je suis capable de tomber endormie, mais je me réveille la nuit, puis là, whoop, mon cerveau n'arrête pas, puis je continue à m'inquiéter. Parfois, les gens aussi vont se réveiller en plein milieu de la nuit avec comme des sensations de panique. Donc, c'est vraiment le corps à ce moment-là qui vit beaucoup, beaucoup d'anxiété, donc le cœur qui débat et tout ça. Puis après ça, bien, c'est dur de retomber endormi quand on se réveille dans cet état-là. C'est quelque chose qui est quand même assez commun aussi. Donc, justement, c'est ça, des symptômes physiques quand on parle de symptômes d'anxiété. Donc, des palpitations cardiaques, sentir qu'on a comme des tensions corporelles. On est comme on sent qu'on est tendu, on a le dos un peu raqué et tout ça. Ça peut même aller jusqu'à des douleurs à cause des tensions, des céphalées de tension aussi. Perte d'appétit. Donc, c'est sûr que si j'ai la tête ailleurs, je suis préoccupée, bien, nécessairement, quand je me sens anxieux, des fois, la digestion va être un peu contrecarrée. La façon dont notre système nerveux fonctionne, on ne peut pas être en train de bien digérer puis être stressé en même temps. Les deux sont comme incompatibles. Donc, ça se peut qu'il y ait une perte d'appétit. L'agitation, j'ai la misère à rester en place. Donc, je vais avoir l'impression qu'il faut tout le temps que je bouge, je vais marcher un peu dans la maison sans trop savoir quoi faire. J'ai de la misère à rester assis, à me poser puis à juste relaxer. Les difficultés de concentration aussi. Donc, évidemment, si j'ai la tête préoccupée, je vais avoir de la difficulté à me concentrer dans le moment présent. Donc, des fois, on peut avoir l'impression qu'on a des pertes de mémoire quand on fait de l'anxiété. Et souvent, ce n'est pas tant les pertes de mémoire qu'on a de la difficulté à enregistrer l'information parce qu'on n'est pas là dans le moment présent. Donc, on n'encode tout simplement pas l'information vu qu'on n'est pas concentré. Puis après ça, on a l'impression qu'on a de la difficulté à se rappeler des choses aussi. Donc, ça, c'est un peu un portrait assez typique là, d'une personne qui va vivre de l'anxiété. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement toujours pathologique. Mais on peut ressentir ça à différents moments, à plus ou moins grande intensité. Maintenant, ce qui va différencier un peu les déclinaisons de tout ça, ça va être l'objet de la crainte. Donc là, je vous ai dressé un portrait de l'anxiété de manière générale, à quoi ça ressemble. Et on va différencier, on va distinguer les différents troubles anxieux en fonction vraiment du thème d'inquiétude. Encore une fois, là, selon le fameux DSM-5, je vous ai mis ici là, les principaux troubles anxieux qui sont répertoriés et qui sont les plus communs au sein de la population. Donc, on regarde d'abord la phobie spécifique. La phobie spécifique, c'est quoi? En fait, c'est quand justement l'objet de notre crainte porte sur quelque chose de spécifique, comme par exemple, j'ai la phobie des chiens. Donc, de manière spécifique, j'ai très peur des chiens. Je n'ai pas nécessairement d'autres craintes envahissantes de manière générale dans ma vie, mais quand je suis en contact avec un chien,
Là, je capote. Là, j'ai le goût d'éviter. J'ai le goût d'éviter les endroits où il pourrait y avoir des chiens. J'évite même de regarder des émissions où il y a des chiens. Peu importe, ça peut aller loin. Des fois, des phobies. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ça peut être quelque chose de spécifique aussi, comme les prises de sang. Il y en a qui vont avoir la phobie des injections ou des piqûres aussi, là. Donc, ça peut être ça. Donc, ça, c'est la phobie spécifique. La phobie sociale, en fait, on l'appelle le trouble d'anxiété sociale. Ça, c'est j'ai peur de quoi? Mais j'ai peur des autres, tout simplement. J'ai peur, en contexte social, de me retrouver dans des situations où je serais mal à l'aise socialement ou j'aurais l'air mal à l'aise socialement. Puis, ça pourrait paraître, donc j'aurais peur d'avoir l'air. Comme par exemple, je donne une présentation, puis j'ai peur que ça paraisse, que je suis stressée ou que mon cœur débat ou que j'ai des bouffées de chaleur. J'ai peur, c'est ça, d'avoir l'air ridicule, finalement. Donc ça, c'est quand on a un trouble d'anxiété sociale. L'objet de notre crainte, c'est vraiment dans le contact avec l'autre, mais en particulier dans comment je vais paraître aux yeux d'autrui. Le trouble d'anxiété généralisé, lui, de son côté, c'est de quoi on a peur, en fait? On a peur du futur. Quand c'est de l'anxiété généralisée. Pas généralisée dans le sens que j'ai plus peur que dans les autres troubles, là, où c'est plus envahissant ou c'est plus grandiose que dans les autres troubles. C'est pas ça, c'est vraiment ce qui est généralisé, c'est que je m'inquiète d'un peu tout. Dans le fond, ça peut être différents thèmes, mes inquiétudes. Puis souvent, ça va être par rapport au futur, justement. Qu'est-ce qui pourrait arriver ici? Quelqu'un qui fait plus d'anxiété généralisée va beaucoup avoir tendance à se poser des questions. À essayer d'anticiper à l'avance comment les choses pourraient se dérouler, puis à s'inquiéter. Qu'est-ce qui arrive si j'arrive en retard à mon rendez-vous, par exemple? Quelqu'un invite des gens à souper, puis ils sont 10 minutes en retard. Oh mon Dieu, il est arrivé quelque chose. Tu as tendance facilement à avoir des scénarios catastrophiques. Donc, ça va se manifester de cette façon-là, l'anxiété généralisée. Donc, si jamais je vais trop vite sur certains points, évidemment, là, il y a des questions qui sont disponibles pour que je puisse aller préciser. Là, vu qu'on est en visio, je ne vois pas le feedback des visages. Fait que j'imagine que tout est correct, mais si jamais vous voulez des spécifications sur l'un ou l'autre, on y reviendra avec plaisir. On est rendu au trouble panique maintenant. Le trouble panique, qu'est-ce que c'est en fait? De quoi j'ai peur? Hein, si on en vient à c'est quoi le thème de l'inquiétude pour le trouble panique, mais j'ai peur le fameux « j'ai peur d'avoir peur ». J'ai peur de l'anxiété elle-même. Dans le trouble panique, c'est ça, en fait. C'est j'ai peur de ressentir des symptômes d'anxiété. J'ai peur d'être tellement mal, d'être tellement inconfortable que je vais essayer d'éviter à tout prix de me sentir comme ça. Parce que souvent, ce qui arrive dans le trouble panique, c'est que la première, souvent, les troubles paniques, ça va être associé à ce qu'on appelle des attaques de panique. On va faire des attaques de panique. Une attaque de panique, c'est quoi? C'est une bouffée d'anxiété qui survient de manière très, très rapide dans l'espace de quelques minutes. Donc, ça va être très envahissant rapidement. Le cœur va se mettre à nous débattre. On va avoir des vertiges, des étourdissements, des bouffées de chaleur. On peut se mettre à avoir les mains moites, avoir même des engourdissements dans les membres. Et on a l'impression, vu que c'était tellement envahissant, des fois, on peut avoir l'impression qu'on est en train de faire une crise cardiaque ou qu'on va mourir. Ça, c'est une attaque de panique. Quand ça survient pour la première fois, ça peut être assez impressionnant et ça peut être assez épeurant. On se dit, donc, je suis en train de mourir. Donc, ça peut être très saisissant. Puis si on ne comprend pas nécessairement ce que c'est qui est en train de se produire, hein, que c'est le système nerveux qui fait tout simplement sa job, lui, il perçoit un danger, puis lui, il envoie sa réponse de stress habituelle. Mais le problème, c'est que ce n'est pas pertinent au contexte. Hein. C'est ça, une attaque de panique, en fait. Et que la personne, elle ne comprend pas trop ce qui s'est passé, fait qu'elle va se mettre à craindre que ça arrive de nouveau, évidemment, parce que c'est vraiment désagréable. Donc, le trouble de panique, c'est ça, c'est quand on se met à faire des attaques de panique, puis qu'on se met à éviter d'en faire de plus en plus, fait qu'on se met à devenir de plus en plus craintif de se sentir comme ça. Fait que ça va souvent être associé, en fait, le trouble de panique, ça va souvent être associé à de l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur des endroits publics. Donc, je vous dis pourquoi tout de suite c'est associé. C'est qu'en fait, quelqu'un qui va avoir tendance à faire des attaques de panique ne voudra pas en faire au centre d'achat ou dans une foule, dans une salle de spectacle, au cinéma. Donc, il va se mettre à éviter ces endroits-là de peur de faire une attaque de panique, de là, d'être pogné, par exemple, en plein milieu d'un centre d'achat. Puis souvent, quand on fait une attaque de panique, on veut sortir de la pièce où est-ce qu'on est. On veut aller chercher de l'air, on veut s'éloigner de l'endroit où on est.
Donc, souvent, ça va être deux troubles qui vont arriver ensemble souvent. Par contre, on peut aussi faire un trouble de. On peut faire une attaque de panique dans son char, on peut faire une attaque de panique à la maison, c'est pas nécessairement dans un endroit public. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle de l'agoraphobie sans nécessairement avoir déjà fait une attaque de panique. On peut quand même, depuis longtemps, craindre d'aller dans des endroits publics sans avoir ressenti une intensité d'anxiété aussi grande que ça, mais quand même craindre les endroits publics parce qu'on a peur de ne pas pouvoir s'échapper si jamais il y a quelque chose qui survenait, si je ne me sens pas bien. Si j'ai des symptômes gastro-intestinaux, par exemple, donc j'ai peur de ne pas pouvoir m'en aller assez vite, me réfugier quelque part, fait que je vais avoir tendance à éviter. Donc, voyons un peu tout à l'heure tout ce que je vous disais à propos là, des. Pour revenir en arrière. Que je vous ai dit tout à l'heure à propos des pensées et comportements d'une personne anxieuse, bien, voyez un peu là, de quelle manière les inquiétudes, l'hypervigilance, l'évitement cognitif, l'évitement comportemental, la réassurance, tout ça, là, ça prend forme en fonction de ces différents thèmes d'inquiétude-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir de l'anxiété sociale va faire de l'hypervigilance par rapport à ses réactions envers les autres en contexte social. Quelqu'un qui fait qui a un trouble panique, lui, ça va être l'hypervigilance par rapport à, mon Dieu, est-ce que je me sens, est-ce que j'ai le cœur qui se met à me débattre un peu, est-ce que j'ai chaud un peu, est-ce que ça va être hypervigilant par rapport à ses symptômes. Donc, c'est parfait. Ça va prendre différentes déclinaisons comme ça. Donc, on continue. Une autre manifestation d'anxiété en contexte de cancer qui n'est pas nécessairement répertoriée comme un diagnostic officiel là, selon le DSM-5, mais qui est quand même une manifestation clinique là, qui est souvent rencontrée, c'est la peur de la récidive du cancer. Et ça, c'est un concept qui a été beaucoup étudié aussi par une équipe de chercheurs à l'Hôtel de Québec, par l'équipe de docteur José Savard. Puis, en fait, ils ont fait des études cliniques, puis il y a aussi différents traitements là, qui ont été mis en place là, avec cette équipe-là. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre plus, là, je peux vous donner des renseignements aussi sur ce sujet-là. Mais la peur de la récidive de cancer, c'est quoi en fait? Mais c'est sûr qu'il y a très peu de personnes atteintes de cancer qui n'expriment aucune crainte, évidemment, là, face à la possibilité que le cancer revienne ou progresse. Par contre, pour une bonne proportion d'entre eux, la crainte va souvent être légère ou facile à contrôler la plupart du temps, mais va tendre à augmenter près des rendez-vous médicaux ou des examens de suivi. Par contre, une fois les résultats les résultats normaux obtenus, les personnes vont se sentir rassurées jusqu'au prochain examen. Par contre, pour certaines personnes, cette peur-là va être plutôt constante, va être plutôt intense et envahissante au point de perturber le fonctionnement, on disait tout à l'heure, la perturbation du fonctionnement, donc au point de perturber le fonctionnement ou de générer vraiment une grande détresse. Puis, la peur de la récidive peut perdurer dans le temps, même plusieurs années après la fin des traitements. Il y a certaines personnes qui seraient plus susceptibles de développer une peur de la récidive du cancer plus pathologique, comme les patients plus jeunes, ceux qui ont davantage de symptômes physiques ou qui présentent une tendance anxieuse, donc à faire de l'anxiété depuis plus longtemps. Par contre, ce que les études ont montré, c'est que la peur de la récidive du cancer est plus proportionnelle au risque réel de récidive en fonction des probabilités et tout ça. Il y a certains patients qui vont avoir un très bon pronostic, qui vont présenter quand même une peur intense face à la possibilité, là, même mince, que le cancer survienne. Donc, ici, je vous ai mis un peu l'espèce de schématisation. C'est un peu comme ça qu'on a tendance à le concevoir en clinique pour essayer de comprendre un peu comment ça s'alimente, comment ça s'installe la peur de la récidive du cancer. D'abord, comme je viens de le mentionner, il va y avoir certains facteurs qui vont rendre davantage à risque de présenter une peur de la récidive, donc des facteurs prédisposants. Comme certains traits de personnalité, par exemple, ou certaines caractéristiques personnelles, le fait d'avoir trouble anxieux, etc. Par contre, même si ces facteurs-là peuvent rendre les individus plus susceptibles de développer une peur de la récidive de cancer, ils ne la causent pas directement. Ça va être plutôt la mise en place d'un cercle vicieux qui va déclencher, qui va maintenir la peur de la récidive. Je vous explique ça dans une petite minute.
Donc, ce cercle vicieux-là, il va être activé par la présence de certains indices, soit qui sont internes, comme un symptôme physique, par exemple, ou encore externes, comme un rendez-vous avec le médecin ou un reportage sur le cancer à la télé. La cascade d'inquiétude aussi là, qui peut suivre va être teintée là, aussi du niveau de connaissance qu'on a sur la maladie. Puis là, à ce moment-là, bien, ces indices-là vont provoquer l'apparition de différentes pensées, des inquiétudes. Hein? Donc, je vais avoir une récidive. Ça, c'est une belle inquiétude qui vient de se pointer dans notre tête. Donc, des interprétations, des perceptions négatives, souvent catastrophiques, qui vont nous amener à penser qu'on va avoir une récidive. Évidemment, là, ces pensées-là vont déclencher des émotions désagréables, surtout l'anxiété, la peur et tout ça. Donc, quand on est confronté à l'anxiété, on va utiliser toutes sortes de stratégies de gestion. Donc, soit que les stratégies de gestion qu'on va utiliser vont être efficaces ou vont être inefficaces. Et là, vous l'aurez deviné, les stratégies de gestion dont on a parlé tout à l'heure, l'évitement cognitif, l'évitement comportemental, la recherche de réassurance, ça tombe plus dans la catégorie des stratégies de gestion qui vont être inefficaces. Marie-Hélène, excuse-moi, c'est parce que quand tu joues avec tes feuilles, il y a beaucoup de. Il y a comme un son, on entend les feuilles. Je pense que ça va être proche de ton micro d'ordi. Ah mon Dieu, j'arrête ça tout de suite. Merci de me l'avoir dit. Ah, mais j'étais comme j'arrête pas, j'étais mal. Très bien, ben oui, non, il ne faut pas que ce soit désagréable à l'oreille. Non, c'est bien. Quand tu parles, ça va, mais dans les transitions, on entend plus. Bon, je te laisse continuer, merci. Pas de problème, merci de me l'avoir dit. Donc, je disais que nos fameuses stratégies d'évitement, de recherche de réassurance, c'est efficace à court terme, mais ça va être souvent inefficace à long terme. Pourquoi? Parce que, même si l'anxiété diminue sur le coup, comme on disait tout à l'heure, c'est tout le temps à recommencer. Parce que tôt ou tard, là, les pensées négatives vont revenir dès qu'il va y avoir un nouvel indice interne ou externe qui va nous rappeler de nouveau là, le cancer ou la possibilité d'une récidive. Puis pourquoi c'est comme ça, en fait? C'est parce que on ne peut pas se berner soi-même. Hein? On ne peut pas être convaincu à 100% sur le coup là, que non, ça n'arrivera pas. Hein? L'espèce de dire non, on ne pense pas à ça, là, ça n'arrivera pas, ou non, c'est correct. T'sais? C'est certain qu'on ne peut pas se convaincre à 100% qu'on n'a aucun risque d'avoir une récidive. Tout comme il n'y a personne dans la vie, en fait, qui est certain à 100% de ne jamais avoir de cancer à prime abord. Donc, la fameuse. C'est pour ça qu'en trame de fond, le voyez, c'est marqué intolérance à l'incertitude. C'est qu'il demeure toujours une parcelle d'incertitude quand bien même qu'on a un super bon pronostic ou peu importe. Donc, c'est cette incertitude-là qui devient intolérante pour la personne qui fait beaucoup d'anxiété par rapport au cancer. Donc, on cherche vraiment à diminuer le plus possible l'incertitude, sauf qu'on n'y arrive jamais complètement. C'est comme tout le temps recommencer. Donc, on va appeler ça un peu une espèce d'allergie à l'incertitude. Puis, vous voyez, hein, dans le contexte du cancer, vous savez, c'est une maladie qui est pleine d'incertitudes. Donc, dès le diagnostic, on peut attendre de savoir, ça va être quel type de cancer qu'on a, est-ce que le pronostic est bon ou pas, quel type de traitement je vais subir, quels vont être les effets secondaires et tout ça. Donc, combien de temps ça va prendre pour m'en remettre. Puis, surtout, évidemment, est-ce que le cancer va revenir. Donc, on ne pourrait jamais être 100% à quoi que ce soit, certains 100% à quoi que ce soit dans ça. Donc, voyez un peu, c'est de cette façon-là qu'on va conceptualiser la peur de la récidive du cancer. Maintenant, j'ai gardé la dernière section de la présentation pour les stratégies. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de recoupements entre les troubles anxieux, les troubles de l'humeur et tout ça. Fait que je vais sauter tout de suite à décrire un peu plus quels sont les troubles liés à l'humeur, les difficultés liées à l'humeur. Puis après ça, on va parler plus des stratégies. C'est important aussi, là, vous voyez, c'est le bonhomme tristesse, toujours dans notre super film Inside Out, que je trouve qui est très bien personnifié dans ce film-là, d'ailleurs. Donc, tristesse, elle a un rôle dans le film. Fait qu'encore une fois, un peu comme l'anxiété, c'est pas une émotion qu'il faut bannir, la tristesse. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la déprime à l'occasion. Ça joue un rôle là, dans le spectre des émotions. Fait qu'encore une fois, on garde notre idée du continuum dans lequel, jusqu'à un certain point, ça peut être correct. Par contre, quand ça franchit un certain seuil, encore une fois, on va parler plus de troubles de l'humeur. Donc, un peu comme tout à l'heure,
comment ça pense une personne qui va être plus déprimée? Comment ça va se comporter une personne qui va être plus déprimée? D'abord, plutôt que des inquiétudes, on va parler plus de rumination. La personne qui va être déprimée va avoir tendance à avoir des ruminations dans le sens où elle va remettre en question des choses qu'elle a dites ou elle a faites. Donc, elle va dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça » ou « Ça, c'est donc bien plate, telle affaire. » Donc, des ruminations, des pensées négatives, en fait. Le contenu des pensées va être un peu avec des distorsions cognitives un peu négatives, un peu tendance à voir la vie avec des lunettes noires. Justement, j'aime bien l'analogie des lunettes, là. Donc, idéalement, dans la vie, on regarde les choses avec des lunettes claires. Les gens qui ont plus souvent de la déprime vont tendance à voir la vie avec des lunettes noires. Souvent, vont ressentir un certain sentiment d'impuissance. Ils vont avoir l'impression que il n'y a pas de solution à mes problèmes. Je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, même ça peut aller jusqu'à un certain désespoir. Il va y avoir souvent, des fois, un désengagement dans mes activités plaisantes que je faisais avant, dans mes tâches et tout ça. Donc, un désengagement, de manière générale. Puis aussi par rapport à mes objectifs. Donc, je vais essayer d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme parce que de toute façon, ça ne sert pas. Puis, j'ai tendance plus à m'isoler parce que je rumine. Puis dans ce temps-là, ça ne me tente pas de voir quelqu'un. Puis même des fois, je vais me mettre à me trouver plus poche. Je vais avoir une moins bonne estime de moi-même. Fait que, j'ai pas envie d'aller vers les autres dans ce temps-là. Fait que c'est un peu comme ça que la personne qui va avoir tendance à être déprimée va agir et penser. Et va se sentir aussi, évidemment, l'humeur va venir avec, hein, une humeur triste, vide, irritable. Donc, ça peut être de l'irritabilité. Souvent, en fait, chez les hommes, ce qu'on constate, là, ce que nos recherches montrent, c'est que souvent, chez les hommes, c'est pas tant de la déprime, c'est pas tant de la tristesse, des pleurs, plus de l'irritabilité, de la colère. Donc, ça va être une émotion qui va être plus présente dans ce cas-là. Ensuite de ça, on va sentir une perte d'intérêt envers ses activités. J'ai pas le goût de rien faire, j'ai pas le goût de me lever de mon lit, j'ai pas le goût d'aller travailler, j'ai pas le goût de voir du monde, j'ai pas le goût. Fatigue qui va être très présente, fatigue au point des fois où les gens la ressentent vraiment physiquement aussi, là, la fatigue. C'est pas juste j'ai pas envie parce que j'ai perdu l'intérêt, c'est que souvent il y a vraiment une fatigue qui va être incapacitante aussi chez les gens qui sont déprimés. De l'insomnie, encore une fois, comme dans le cas de l'anxiété, donc la fameuse insomnie qu'on trouve souvent un peu partout. L'insomnie ou au contraire de l'hypersomnie, ça se peut qu'on dorme significativement plus aussi. Baisse d'appétit, de concentration, de libido, donc plus toutes les fonctions là, psychophysiologiques là, qui vont être affectées. Baisse d'estime de soi, hein, si je rumine beaucoup, puis si j'ai beaucoup d'idées négatives aussi par rapport à moi-même, c'est certain qu'à un moment donné, ça va finir par affecter mon estime de moi-même. Et dans les cas les plus intenses, par exemple une personne déprimée, ça se peut des fois qu'on se mette à remarquer ce qu'on appelle un ralentissement psychomoteur. La personne peut se mettre même à parler plus lentement, à bouger plus lentement. Tout a comme l'air un peu fastidieux ou au contraire, la personne va être très agitée. Agitée va se mettre à avoir des tics nerveux, de se ronger les ongles, la patte qui shake tout le temps, donc avoir de la difficulté un peu à rester en place. Donc, c'est un peu comme ça que la personne déprimée se sent. En fait, je vous ai illustré ça sur un espèce de continuum en se servant des petits fameux emojis pour montrer ça ressemble à quoi la différence entre des variations de l'humeur normale. Donc, ici, vous avez un peu représenté tout le, dans mesure du possible, là, j'ai fait avec ce que j'avais, là, mais tout le spectre des émotions humaines normales. Donc, ça peut aller de l'euphorie à la joie, à la bonheur et tout ça. À quelque chose d'un peu plus neutre. Des fois, c'est comme il ne se passe rien, puis je ne suis pas triste, je ne suis pas fâchée, je suis neutre. Puis des fois, ça peut aller plus jusqu'à ça, de l'irritation, de la frustration, de l'agressivité, de la tristesse, de la déprime. C'est toutes des variations d'humeur normale. Le problème, quand on a un trouble de l'humeur, c'est comme s'il y avait tout un pan dans la ligne du bas, là, il y avait tout un pan des émotions qu'on ne ressent plus. Donc, on ne ressent plus de joie, d'allégresse ou de bonheur un peu au quotidien. Bonheur, c'est pas une émotion, on y reviendra, mais là, on ne sent plus d'émotions positives. C'est comme plus soit la déprime, carrément, ou l'irritabilité, comme je vous disais, ou pas nécessairement, ça peut être quelqu'un qui la plupart du temps sur le neutre, mais elle n'arrive plus comme à éprouver du plaisir dans la vie, on dirait. Ou de manière significativement moins fréquente. Donc ça représente un peu le portrait de quelqu'un qui est plus déprimé. Je vous ai comme fait une espèce de
petite image rétrospective là, pour illustrer la différence entre quelqu'un qui est plus dans l'anxiété versus plus dans la dépression. Donc, quand on parle de dépression, là, tantôt je disais, on va tendance à avoir des ruminations. Donc, le contenu de nos pensées, de nos idées va être plus orienté vers le passé, les erreurs que j'ai faites ou les mauvais choix que j'ai faits. Donc, les ruminations vont être plus présentes. Tandis que, toujours par rapport au moment présent, quelqu'un qui est anxieux va être plus dans le futur, dans ses pensées. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je vais avoir des inquiétudes, je vais me préoccuper de comment les choses vont être dans le futur. Donc, c'est sûr que ce n'est pas à couper au couteau comme ça, puis quelqu'un qui est déprimé peut aussi avoir des inquiétudes et vice-versa. Mais de manière générale, on va le représenter comme ça, puis c'est comme ça un peu que ça va se traduire le plus souvent qu'autrement. Donc, dans le DSM, notre fameux diagnostic et statistique, encore une fois, je reviens pour vous présenter grosso modo les principaux types de troubles de l'humeur qui peuvent être représentés. Donc, le plus commun, là, c'est le trouble dépressif majeur. Donc, on a vraiment un épisode distinct dans le temps où la personne va vivre une période qu'on appelle la fameuse dépression. Donc, ça, c'est le trouble dépressif majeur. Le trouble dépressif persistant, autrefois, on l'appelait le trouble dysthymique. Donc là, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir, de manière générale, souvent sur plusieurs années, là, une humeur plus déprimée ou amorphe. Ça va comme être associé à des cognitions un peu plus sombres ou noires, de manière générale. On a notre fameux trouble dysphorique prémenstruel, hein, qui est le pendant plus intense du fameux trouble du SPM chez la femme. Donc, de plus en plus, on reconnaît là, un caractère pathologique à quand ça prend vraiment une intensité puis une place significative dans la vie de la femme. Ça peut aller jusqu'à un trouble dysphorique prémenstruel. Donc, ça fait partie des catégories des troubles de l'humeur. Puis, on a nos troubles bipolaires. Donc, la bipolarité, soit de type 1 ou de type 2. Donc, les gens qui, avant, on les appelait les hypomaniaques ou faire la maniaco-dépression, donc tel ancien terme, mais maintenant les gens qui vont faire des épisodes de manie, donc des épisodes de grande euphorie, par exemple, ou d'accélération d'humeur, puis après ça, des crashs avec des épisodes dépressifs, donc de l'alternance comme ça entre ces deux états-là, ça va être plus des troubles bipolaires. Finalement, on arrive à notre dernière catégorie de troubles psychologiques catégorisés. Donc, les difficultés liées à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Donc, pour cette catégorie de troubles-là, l'exposition à un événement traumatique ou stressant est explicitement notée comme étant un critère diagnostique. Puis, c'est dans cette catégorie-là aussi qu'on va retrouver le plus souvent les problématiques liées au cancer, parce qu'on parle de facteurs de stress. Donc, je vais vous expliquer ça. En fait, ici, on a un critère qui est l'exposition à un événement traumatique ou stressant. Puis la réaction psychologique doit être clairement liée à l'exposition à ce stresseur-là. Puis la réaction psychologique qui suit l'exposition à un événement traumatique ou stressant est souvent très variable. Ça peut prendre la forme de différentes manifestations. Ça peut être soit de la peur, de l'anxiété, mais on peut aller aussi vers plus l'anhédonie, justement les émotions un peu plus flattes et tout ça, la dysphorie, donc plus de pleurs, de déprime, de la colère, de l'agressivité. Ça peut aussi prendre le cas de dissociation. Donc, les gens sont comme un peu coupés de leur affect et tout ça. Donc, ça peut être très quand même assez varié de l'expression symptomatique des gens qui vivent avec un trouble lié à un traumatisme ou à un facteur de stress. Maintenant, il faut comprendre que la maladie mortelle ou une affection médicale potentiellement mortelle n'est pas nécessairement à considérer comme un facteur traumatique selon le DSM-5. Les événements médicaux qui vont être qualifiés comme des traumatismes, c'est souvent, eux, ils vont le catégoriser comme quelque chose qui doit arriver de manière très subite, comme par exemple se réveiller, l'histoire d'horreur, là, se réveiller pendant une chirurgie où on est anesthésié, on a un choc anaphylactique et tout ça. Donc, c'est plus comme ça qu'ils vont caractériser le trauma lié à une condition médicale. Ça ne veut pas dire, évidemment, que le cancer, lui, ne peut pas être une expérience profondément perturbante. Donc, c'est pour ça que les difficultés psychologiques qui vont apparaître en réaction à un diagnostic de cancer vont être classées aussi sous cette catégorie-là. Puis après ça, on va les appeler plus des troubles de l'adaptation.
Puis quand on parle de troubles d'adaptation, bien, c'est environ, grosso modo, là, 50 % des gens qui ont un diagnostic psychologique qui vont souvent avoir un trouble, ce qu'on appelle un trouble d'adaptation. Comment ça se manifeste? Un trouble d'adaptation, bien, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être soit du trouble au niveau de l'humeur, de l'anxiété, perturbation des conduites aussi, les gens changent leur comportement, dans les 3 mois qui vont suivre l'exposition à un stress. Et ça va être associé à des baisses de performance, soit au travail, dans ma vie personnelle, des changements dans les relations sociales. Ça peut être associé aussi à des difficultés à prendre soin de moi, en particulier si j'ai une maladie, par exemple, puis je faut que j'aie des soins, tout ça. Ça peut complexifier le traitement pour une affection médicale. Je vous ai mis ici brièvement aussi les principaux signes du trouble de stress post-traumatique, un peu pour faire la comparaison avec le trouble d'adaptation. Donc, vous voyez ici que là, quand on parle de trouble de stress post-traumatique, ça va être quelque chose qui va être un portrait souvent un petit peu plus frappant là, de gens qui vont avoir des flashbacks, des cauchemars intrusifs et tout ça. Donc, ils vont avoir des flashbacks du trauma, donc de l'événement soudain et stressant qu'ils ont vécu. Des réactions dissociatives, donc la personne se met à agir comme si elle était en train de revivre le trauma. Des événements marqués, les gens des fois sortent plus de chez eux, ils vont avoir oublié certains aspects de l'événement et tout ça, ils vont se mettre à avoir un gros émoussement affectif, les gens perdent complètement intérêt envers les autres, la société et tout ça, puis ils vont être très très hyper vigilants, ils ont tendance à sursauter pour un oui ou pour un non. Donc ça, c'est le portrait un petit peu plus caractérisé du trouble de stress post-traumatique. Ensuite, donc tantôt je vous l'avais dit, comment on fait pour savoir dans tout ce qu'on vient de discuter, qu'est-ce qui est normal, de qu'est-ce qui est pathologique? J'espère que rendu là, je vous ai donné quand même quelques indices ici et là, puis vous êtes en train d'être bon pour être capable de comprendre que, bon, quand mon fonctionnement est affecté, je réagis plus de manière normale, ou j'ai de la misère à prendre soin de moi, ou je vis une grosse détresse, bien là, ça commence à être plus pathologique. Mais de manière générale, on va l'identifier aussi en fonction de certains indices, comme l'évitement problématique, comme par exemple, j'évite mes rendez-vous, j'évite de faire mes soins, je vais m'isoler des autres, je suis incapable d'assumer mes tâches. La consommation de substances aussi, des fois, ça devient une manière pour les gens de s'auto-traiter, mais ça devient évidemment le problématique. Des traits significatifs, oui, des noirs, donc si on en vient à avoir des idées suicidaires et tout ça, c'est important d'être capable d'identifier ces signes-là. Puis de faire, oh, là, quand on a ça, là, il faut aller chercher de l'aide, là, il faut aller consulter. On consulte qui? Je vous ai mis ici un petit récapitulatif là, des principales ressources qu'on a tendance à diriger les gens là, quand on identifie ce portrait-là. Donc, c'est sûr que moi, je vais prêcher pour ma paroisse, donc les psychologues. Je vous ai mis l'adresse du service de référence là, de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est un site web dans lequel on peut mettre notre code postal, puis notre problématique, notre motif de consultation. Ils vont nous sortir là, des psychologues dans notre région qui se spécialisent là, dans ces difficultés-là. Mais évidemment, là, les psychothérapeutes formés aussi, puis tout autre intervenant en santé mentale formé, on n'hésite pas. Les médecins aussi, des fois, pour voir est-ce que c'est pertinent d'introduire une médication psychotrope là, pour m'aider. Donc, médecins de famille, psychiatres aussi, qui sont des personnes spécialisées justement pour l'ajustement de la médication. Puis la ligne urgence-détresse. Si on va voir un psychologue, il va se passer quoi? Alors, on va suivre ce qu'on appelle une psychothérapie. C'est quoi la psychothérapie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, peut-être que des fois, on se fie un peu plus à ce qu'on entend ou ce qu'on voit à la télé, tout ça. Fait que des fois, c'est étonnant à quel point des fois les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi la psychothérapie. Puis, moi, mon but, c'est de vulgariser le plus possible aussi, puis de rendre ça très, très accessible, puis c'est correct là, de faire une psychothérapie parce que ça vise à corriger ce qui nous fait souffrir, tout simplement. Puis ça peut apporter beaucoup, beaucoup de bien. Donc, ça vise à produire de manière systématique et durable des changements dans les connaissances, donc mes connaissances sur qu'est-ce qui me fait souffrir, justement, changer ma façon de voir les choses, mes cognitions, mes pensées, mes émotions. Puis mes comportements. Donc, c'est ça qu'on va essayer de cibler quand on entame une démarche de psychothérapie. Mais évidemment, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin d'aller suivre une psychothérapie. Puis il y a quand même certaines étapes qu'on peut faire là, par soi-même pour essayer de s'aider le plus possible à développer et à cultiver une bonne santé psychologique.
Puis, j'aimerais ça aborder ça avec vous pour ces stratégies-là à partir d'une conception que j'appelle biopsychosociale. Parce que évidemment, on n'est pas dans des petites catégories dans notre tête. Bon, notre psychologique, moi, je dirais que ça, c'est beau. Mon biologique, je dirais que ça, c'est beau. Tout ça, ça interinfluence. Donc, c'est important quand vous allez chercher à consulter ou quand vous allez chercher à essayer de prendre soin de vous, d'avoir cette perspective-là en tête que faut soigner tous ces aspects-là pour être bien, pour avoir une bonne santé psychologique. Hein? C'est pas vrai que je m'occupe pas de ma santé physique puis que j'ai des problèmes dans mon environnement, bien, je peux être au top de ma forme au niveau psychologique. Donc, c'est sûr que je vais vous donner l'analogie de, mettons, un bébé naissant ou un bébé à un nourrisson, bon, il pleure. On va se demander, hein, bon, y a-tu faim, y a-tu soif? Est-ce que ses besoins de base sont comblés? Y a-tu froid? Est-ce qu'il y a peur? Est-ce qu'il est suffisamment stimulé? Est-ce qu'il y a besoin de câlin? Tout ça. Donc, on va comme faire une espèce de, naturellement, une espèce de portrait pour voir c'est quoi ses besoins. Ça, on le fait un peu intuitivement de voir c'est quoi, y a-t-il tous ses besoins comblés au niveau psychologique, biologique et social, mais c'est comme si on perd un peu des fois l'habitude de le faire en vieillissant. Alors que souvent, des fois, la réponse à notre souffrance se situe sur une de ces sphères-là. Donc, faire une espèce de petit check-up, ça peut nous aider parce qu'on ne peut jamais monter plus haut que l'échelon le plus fragile dans notre santé. Donc, au niveau biologique, brièvement, ben, je fais juste part des études là, récentes qui ont montré des liens entre la vitamine D, les oméga-3, le L-tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. Donc, ces éléments-là en particulier sont liés directement à la santé psychologique. Donc, on a vraiment montré que des gens, entre autres, qui avaient des déficits en vitamine D, par exemple, pouvaient éprouver plus des symptômes dépressifs. Même chose pour les diètes faibles en oméga-3, etc. Donc, ça, c'est des aspects intéressants à regarder. Au niveau de la luminothérapie aussi, surtout à l'automne, c'est en silanique avec le changement d'heure et tout ça, là, il y a des études intéressantes qui ont montré que la luminothérapie pouvait apporter des bienfaits significatifs au niveau de l'humeur et au niveau du sommeil aussi. Là, le social, je vous ai mis cette petite image, je pense que ça veut tout dire. C'est super important de ne pas négliger la sphère sociale là, si on veut avoir une bonne santé psychologique. Puis malheureusement, de plus en plus, bien sûr qu'avec la pandémie, ça n'a pas aidé, mais on va beaucoup avoir tendance à tout mettre ça dans la case des réseaux sociaux, notre sphère sociale, de plus en plus. Alors que ce qu'on se rend compte que les études montrent, c'est que malheureusement, souvent, ça a tendance à produire un peu l'effet inverse. Donc, plus on utilise les réseaux sociaux, moins on a une bonne estime de soi, par exemple, puis plus on a tendance à éprouver des symptômes dépressifs. Donc ça, je vous en parle très brièvement. C'est tout un champ de recherche qui se développe là-dessus, mais vous le sentez aussi probablement vous-même qu'un bon souper entre amis ou des contacts véritables, prendre une marche avec un ami, c'est loin de produire le même effet que d'être derrière son écran. Donc, ne pas négliger la sphère sociale. Puis, en fait, là, les contacts sociaux, le soutien social, c'est le meilleur prédictif de santé psychologique puis de santé physique aussi, de manière générale. Donc, c'est super important. Là, je vais aborder un petit peu plus précisément aussi les stratégies d'adaptation au niveau psychologique. Puisqu'on est dans ce thème-là aujourd'hui. Première étape, je l'ai marqué en gros, pour commencer par normaliser. Évidemment, quand on n'est pas dans une souffrance significative, comme je vous disais tout à l'heure, mais quand on éprouve des émotions plus difficiles, l'anxiété, la déprime, on a de la difficulté des fois à comprendre ce qui nous arrive, il faut commencer par s'arrêter puis à normaliser que ça se peut que ce soit normal qu'on vive du stress, que ça se peut que ce soit normal qu'on soit inquiet ou qu'on vive des difficultés dans le contexte qui convient un stressant. Fait que pourquoi apprendre finalement à essayer de s'adapter à nos émotions plus difficiles plutôt que d'essayer de les éviter à tout prix. Quelqu'un qui a une bonne santé psychologique, c'est pas quelqu'un nécessairement qui n'aura pas d'émotions désagréables ou très peu. C'est quelqu'un qui va être capable de s'y adapter puis d'utiliser des bonnes stratégies d'adaptation. Par exemple, ici, je vous ai mis le fameux ciné de Sonia Lupien pour ceux celles qui la connaissent. C'est une chercheure sur le stress à l'Université de Montréal qui a contribué beaucoup à vulgariser tout ce qui est le stress. C'est quoi le stress? Comment ça se déclenche? Comment ça agit? Tout ça. Puis elle a identifié qu'il y a 4 facteurs. Donc, quand je disais le CINE, le C-I-N-E, pour contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego.
Donc, déjà, quelque chose que je peux faire en partant quand je me sens anxieux, c'est d'essayer d'identifier, y a-t-il un de ces quatre facteurs-là qui entrent en ligne de compte en ce moment? Est-ce que j'ai l'impression de perdre le contrôle? Est-ce que j'ai l'impression de vivre une situation qui est imprévisible, qui est nouvelle ou qui menace mon ego? Ah, OK. C'est un de ces quatre facteurs-là, je l'ai identifié. Par exemple, je donne une présentation. Mon ego peut peut-être être menacé. Comment les autres vont me voir? Comment les autres vont me trouver? Est-ce que ça va être clair? Est-ce que les gens vont être contents et tout ça? Donc, bon, là, j'identifie que ça se peut que ce soit ça, cet aspect-là, qui déclenche ou qui provoque mon stress. Fait qu'à partir du moment où j'ai identifié ce qui le déclenche, bien, je peux plus être en mode focus sur les solutions. Là, sur essayer. Est-ce que je peux faire quelque chose pour essayer de reprendre un peu plus le contrôle de la situation, de rendre les choses un peu moins prévisibles ou me renseigner un petit peu plus sur la situation, par exemple. Fait qu'on va essayer de focusser sur les solutions plutôt que les problèmes. Donc déjà, en partant, ce petit exercice-là de check-up, d'identifier, de mieux se comprendre, ça peut être très utile. Donc, focusser sur les solutions plutôt que les problèmes. Ensuite, on va essayer d'identifier nos biais cognitifs. Ce que je veux dire par là, en fait, là, c'est du jargon un peu de psy, là, mais nos biais cognitifs, là, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'on des fois, on a tendance à surestimer les dangers, à surestimer la probabilité qu'une conséquence négative arrive. Puis, on a tendance à sous-estimer nos capacités à faire face. Donc, c'est comme si, dans la réalité, je serais capable de faire face à quelque chose, mais j'aurais tendance à sous-estimer mes capacités à m'adapter si jamais ça arrive. J'utilise la métaphore du billet de loto pour vous aider à comprendre. Imaginez, là, si je vous disais, vous avez 90 % de chances de gagner à loto avec le billet que vous avez. Ben, est-ce que vous auriez tendance à m'amener vous faire un peu des petits projets dans votre tête, puis même peut-être aller magasiner un peu une nouvelle voiture ou peu importe ce que vous feriez avec cet argent-là, mais vous auriez tendance à agir un peu comme si ça avait des bonnes chances d'arriver à 90 % de chances. Est-ce que des fois, on fait l'inverse? C'est-à-dire qu'on a tendance à faire ça, mais avec des probabilités qui ont très peu de chances d'arriver. Il y a 5 % de chances que j'aille une récidive, par exemple, mais je vais penser tellement à ça, puis je vais tellement m'imaginer que ça pourrait arriver que ça prend toute la place, puis j'agis un peu comme si ça allait arriver. Ouf, OK, là, je suis en train d'avoir un biais cognitif. Donc, faire attention à ça. Puis, augmenter notre tolérance à l'incertitude. Tantôt, on en a parlé, donc, d'avoir tendance à vouloir éviter le plus possible l'incertitude. Donc, au contraire, on essaie d'augmenter notre tolérance. Donc, de plus en plus à l'aise avec l'incertitude, ça se pratique. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vivre des situations dans lesquelles on vit l'incertitude. Donc, de ne pas hésiter à se lancer dans l'action, dans les projets, même si on n'est pas certain de comment les choses vont évoluer. Et je pense que ce proverbe-là bouddhiste résume très bien les choses. Si vous avez un problème qui peut être réglé, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Si vous avez un problème qui ne peut être réglé, ça ne sert à rien de s'inquiéter non plus. Fait qu'on garde ça en tête quand on s'adresse à nos inquiétudes. Ça peut être un bon petit reminder. D'autres stratégies un petit peu plus tenant un caractère plus psychologique pour gérer les inquiétudes, même s'ils sont là, ils n'accordent pas d'importance. On les laisse aller, on ne s'en occupe pas comme s'ils n'étaient pas là. Ça a l'air pas évident à faire sur le coup, mais ça aussi, c'est quelque chose qui se pratique. C'est toutes des stratégies qui se pratiquent aussi là, si on fait une psychothérapie. D'autres choses que les gens peuvent aimer, c'est le fameux worry time. Donc, je vais me garder une période durant la journée où je vais m'inquiéter. Je vais dire, mais moi, je vais m'inquiéter entre telle heure puis telle heure. Puis si jamais il y a d'autres inquiétudes qui se pointent durant ma journée, je vais les remettre à plus tard. Fait que je vais pouvoir me concentrer sur le moment présent. Puis évidemment, là, vous avez eu d'autres conférences là-dessus, mais ne pas négliger l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie là, par différentes stratégies plus physiques ou respiration, yoga, méditation, etc. Bon, ça, je vais passer un petit peu là-dessus parce qu'on va manquer de temps, puis je vois qu'on arrive au bout de la présentation, mais on pourrait y revenir. On va rester en termes des pensées. Je vous ai mis une autre citation ici que j'aime bien. Nous souffrons davantage de l'imagination que de la réalité. Hein, c'est le philosophe grec Sénèque qui a dit ça. En fait, ce que ça veut dire par là, c'est qu'il faut toujours faire attention de questionner notre manière de voir les choses. Tantôt, on a parlé des ruminations, hein, des inquiétudes, des biais cognitifs et tout ça. Ça détermine énormément comment on va se sentir, notre manière de voir les choses. Puis plus on voit les choses d'une certaine façon, plus on va avoir tendance à essayer de confirmer notre manière de voir. Donc, si je vous demande ici, là, il y a combien de pattes l'éléphant?
Hein, il y en a-tu 4, il y en a-tu 5? Ils sont où exactement? T'sais, on essaie de regarder ça. Puis on voit que la réalité, des fois, ça peut prendre la forme de plusieurs façons de voir les choses. Donc, si on reste ancré dans notre manière de voir les choses qui n'est pas toujours positive, mais on peut avoir tendance à passer à côté tout un pas de la réalité puis à s'enfoncer un peu dans nos souffrances puis dans notre déprime ou dans notre anxiété parce qu'on ne prend pas assez de recul sur les choses. Donc, c'est une métaphore pour se faire rappeler. Questionner, continuer à questionner, ça fait partie de notre hygiène de vie, continuellement questionner notre manière de voir les choses. Puis, c'est tellement important, en fait, que c'est ça, de plus en plus, il y a plusieurs études sur la neuroplasticité qu'on appelle. Donc, la capacité, plus on répète la même façon de penser, plus il va se produire des changements physiologiques dans notre cerveau. Donc, c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. Il va y avoir des chemins neuronaux qui vont être plus faciles, qui vont être plus rapidement empruntés que d'autres, puis on va répéter le même schéma de pensée, par exemple. Donc, il faut vraiment être, je dirais, très à l'affût et responsable de la manière dont on pense, parce que ça peut déterminer après comment on va voir les choses pour la suite. Puis, il ne faut pas tomber non plus dans le piège, puis j'achève là, avec cette diapo-là, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la pensée positive, parce que j'en parle en particulier là, dans le contexte du cancer, parce que ça peut être des fois très insidieux. Hein. Des fois, les gens me disent qu'il ne faut pas que je pense négativement, donc le penser positivement. Puis même, il faut que je sois positif en tout temps si je veux guérir du cancer. Il y a toute une série de croyances aussi associées à ça. Puis là, bien évidemment, ce n'est pas possible de tout le temps parvenir à ça. Donc, on fait souvent faire de l'anxiété, puis on va se mettre à se culpabiliser parce que, bon, on n'est pas arrivé à maintenir constamment un état d'optimisme permanent. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans le service de la pensée positive. C'est important d'adopter ce que je vais appeler une pensée réaliste. Une pensée réaliste qui va être basée sur la réalité, tout simplement, comme l'exemple du billet de l'auto tout à l'heure. Puis, bon, ça, c'est des idées aussi là, de choses à cultiver pour, encore une fois, mettre l'emphase sur une bonne santé psychologique. La gratitude, donc de faire, ça peut être un journal de gratitude, 3 choses par jour sur lesquelles je porte mon attention puis je suis contente que j'ai dans ma vie. Ça peut être des choses toutes simples. Hein. Ça peut être le fait que j'ai de la nourriture dans mon garde-manger, que j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, je suis en sécurité chez moi, je ne vis pas dans une ville où il y a de la guerre et tout ça. Donc, apprendre à cultiver la gratitude, c'est super important et c'est très précieux là, comme stratégie. De me trouver des choses qui vont me procurer un sentiment d'accomplissement, encore plus utile si quand c'est associé à de l'altruisme, donc aider les autres, c'est associé significativement au bonheur durable. Je vous ai parlé de l'importance de cultiver des belles relations interpersonnelles et de s'engager de manière générale dans une activité aussi qui va nous procurer du sens. Donc, tout ça, c'est l'équipe de Martin Seligman aux États-Unis, qui est un chercheur sur la psychologie positive, là, à ne pas confondre avec la pensée positive, mais la psychologie positive, je vous ai mis le site web ici, c'est super intéressant ce site web-là, c'est associé à plein de ressources super intéressantes et de lectures super intéressantes, puis c'est un chercheur qui a vraiment étudié les facteurs qui contribuent au bonheur. Il y a des TED Talks aussi qui ont été faites sur le sujet, donc je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, puis si l'anglais pour vous est. Et pour un problème, évidemment. Puis, je vous ai mis aussi quelques ressources qui reviennent souvent dans mes recommandations en clinique. Une série de livres, soit qui s'adressent aux patients atteints de cancer ou de manière générale aussi, là, tout ce qui est la gestion des pensées, la gestion des inquiétudes, de l'humeur et tout ça. Le site web en général, TED Talk, qui est génial. Si vous tapez psychologie ou bonheur ou tout ça, vous allez avoir plein de conférences intéressantes de chercheurs sur le sujet. Qui résument d'une manière souvent super intéressante, en quelques minutes, 15-20 minutes, là, leur programme de recherche, puis moi, je trouve ça génial, puis je suis souvent là-dessus. Là. Donc, ça fait un peu le tour pour ma présentation. J'arrive au bout après presque 1 heure. Merci beaucoup. Encore désolée de vous avoir arrêté tout à l'heure. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais là, pour moi, vos feuilles étaient proches de votre micro. Ça. Mes feuilles étaient proches, puis on ne réalise pas, il est où notre micro hein, quand on parle? Mais merci beaucoup. Beaucoup de trucs pratiques. Ça, je pense que c'est important de proposer là, des solutions, de dire aux gens qu'il n'y a pas. Oui, c'est pas évident, mais il y a des solutions. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir pris le temps de préparer ce contenu et de nous l'avoir
de nous en avoir parlé. J'ouvre la période de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la présentation, à les taper dans la zone de questions et réponses. Et ça va nous faire très plaisir d'y répondre. On avait déjà une question qui était en lien, puis vous n'êtes peut-être pas à l'aise d'y répondre, là. Je vous la pose quand même, en lien avec les antidépresseurs et les traitements contre le cancer, que ce soit, spécifiquement, si la personne nous demandait une leucémie chronique, donc une prise de médicaments, des antidépresseurs avec un traitement contre un cancer. Bon, qu'est-ce que c'est contre-indiqué, indiqué ou c'est quelque chose? Ah, OK. Dans ce temps-là, c'est certain que c'est plus, ça va être plus avec le médecin qu'il va falloir voir ça. Nous, les psychologues, on connaît la pharmaco, mais malheureusement, on ne peut pas émettre d'opinion par rapport à ça. C'est pas dans notre code des professions. Mais c'est certain que si vous avez des questionnements par rapport à ça, même le pharmacien aussi, on n'est pas juste le médecin, mais le pharmacien aussi peut être très bien placé pour répondre à ces questions-là. OK, parfait, merci. Donc, effectivement, oui, c'est ça, de toujours avoir une référence au médecin. Quelqu'un posait la question par rapport à où trouver un bon psychologue. Alors, vous l'avez abordé, là, mais donc, peut-être l'endroit le plus adéquat pour trouver le nom d'un psychologue, puis un peu comment faire pour s'assurer que ça fit avec nous autres. Tu sais, il y a comme une offre quand même, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je fais pour savoir si ça, c'est le bon, il est bon pour moi, il n'est pas bon pour moi? C'est une excellente question. Le site web du service de référence, puis là, je parlais du site web, mais il y a un numéro de téléphone aussi là, que je n'ai pas mis. Si vous tapez là, dans Google, là, Ordre des psychologues du Québec, vous allez tomber sur le service de référence, donc, soit par Internet ou soit par téléphone. Vous entrez, comme je disais, votre code postal puis votre motif de consultation. Puis là, vous allez avoir une série de noms de psychologues qui se spécialisent ou qui connaissent la problématique en question. Par exemple, on marque justement maladie ou on marque anxiété ou peu importe. Puis là, il va y avoir des pages personnelles du psychologue. Donc, il va se décrire un peu là, de la façon dont il travaille et tout ça, son tarif, son approche. Puis l'approche, bien là, c'est sûr que ça nous aurait pris un petit peu plus de temps pour aborder ça aujourd'hui, mais selon les approches, on peut aller lire un peu sur l'approche. C'est même encore là, Google a réponse à tout maintenant, mais on tape l'approche du psychologue dans Google. Hop, ça nous dit c'est quoi, bon, par exemple, l'approche cognitive comportementale. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Fait on voit un peu comment la personne travaille, puis ça peut nous donner des fois des indices si on serait à l'aise de travailler de cette façon-là, mais c'est certain que rien ne vaut une bonne vieille rencontre en personne. Souvent, la première rencontre, moi, je dis toujours que c'est l'occasion aussi de voir si la personne est à l'aise de travailler avec moi. Donc, c'est sûr que des fois, c'est un magasinage qui peut coûter cher, là, c'est certain que c'est pas... Mais on peut appeler, on peut prendre le téléphone puis parler un peu avec le thérapeute à l'autre bout de la ligne. Habituellement, les psychologues ne cherchent pas pour ça. Puis voir un peu comment le contact se passe en discutant au téléphone puis en parlant un peu de son motif de consultation. Excellent, merci, merci beaucoup. Ben écoutez, ça fait le tour, puis effectivement, le temps nous presse. Si vous voulez, Marie-Hélène, changer de diapo, on va faire avec la conclusion. Alors, merci encore de vous être connecté. Ah, ben vous avez des petites diapos de fin. C'est celle-là que tu voulais que je mette? Oui, c'est bon, excellent. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci à tout le monde de s'être connecté aujourd'hui. Je remercie nos partenaires sans qui ces événements-là ne sont pas possibles, je vais le dire. Donc, AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Janssen, Jazz Pharmaceutique, Merck et Pfizer. Donc, merci à eux pour leur soutien. Dernière diapo, je pense. Donc, avant de terminer, on vous rappelle qu'on est là pour vous, on est là pour vous aider, on peut vous soutenir dans l'expérience avec le cancer. Donc, vous avez nos coordonnées par courriel, vous pouvez aller sur notre site Internet pour avoir les informations nécessaires,
ou par téléphone, vous pouvez facilement communiquer avec nous. Je ne vais juste pas oublier, Marie-Hélène, de vous dire que dans la zone de discussion, plusieurs personnes ont indiqué merci beaucoup pour cette conférence, bien vulgarisée. Merci énormément. Donc, bravo. Des beaux commentaires. Alors, je voulais vous les partager avant de quitter. J'avise les gens que notre semaine sur le mieux vivre n'est pas terminée. Donc, il reste une journée demain. Donc, deux dernières conférences. À 11h demain, votre perception de vous-même pendant et après les traitements qui va être offert par Bel et Bien dans sa peau. Et notre conférence de fermeture avec Nicole Bordelot qui va porter sur transformer l'inconfort en réconfort. Donc, une séance de discussion, mais aussi il va y avoir une courte séance de méditation. Alors, ça va bien terminer notre semaine et je pense que nous allons être zen et nous allons avoir plein d'outils pour faire face à tout ce qui se présente là, le mieux possible. Alors, pour vous inscrire, si vous n'êtes pas inscrit, et il y a encore du temps, il y a encore des places, cancerducentredunionconférence.ca. Alors, merci beaucoup. Marie-Hélène, merci encore. C'est un plaisir. Et à vous à la maison, bien, portez-vous bien et prenez bien soin de vous, surtout. Au plaisir. Merci. Bien, merci beaucoup. Je vais, Tati, avant d'accrocher, je vais répondre à des questions que je n'ai pas pu là, répondre. Peut-être que les gens sont partis, par exemple. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène. C'était ça fait très plaisir. Intéressant. Arrivé flush, on pense tout le temps qu'on va être correct, mais finalement, on déborde tout le temps un peu. Là. Mais